Parce qu'en soi, un livre, c'est quoi? Un livre, c'est la production de l'expérience de quelqu'un sur écrit. Argent Livre débarque dans votre vie. Venez découvrir des livres révolutionnaires qui vous bousculeront de l'intérieur. Des livres impactants et faciles à lire qui vous donneront les clés dont vous avez besoin pour reprendre confiance en vous et en ne lisant que 2 pages par jour. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Bref, dans l'équipe, comme on vous a dit, voilà, aujourd'hui on va parler de... Je regarde que les Africains ont par rapport au business des Africains. Et donc moi je vais commencer par une anecdote. Parce que c'est d'ailleurs cette anecdote qui est à l'origine de ce podcast. C'est qu'il y a une semaine, quand on était en bois à Paris. Il y a une semaine, on était en bois à Paris. Donc c'est un événement, premier salon business camerounais organisé du côté de Paris. Et là, nous sommes arrivés là-bas avec un stand. Et sur ce stand, il y avait les livres des auteurs avec qui on a eu à travailler au courant des années précédentes. Et donc, il y a certains participants à ce salon-là qui arrivaient. Et quand ils voyaient que c'était des livres écrits par des Africains, tout de suite, ils disaient « Non, plutôt que de lire ces livres-ci, je préfère aller les lire à la source. » Sous-entendu, ils estimaient que les livres qui étaient écrits par des Africains ne pouvait pas être c'était des copies, pertinent. Quoi. C'est ouais, c'était des copies des livres écrits par les Américains. Et ça a confirmé le combat qu'on mène aujourd'hui parce que moi, il n'y a rien qui me fait plus mal que le fait d'arriver dans une bibliothèque, dans une librairie en Afrique et de me rendre compte que 90% des livres qui y sont des livres écrits par les Américains. Et parfois, ce sont des Américains que personne ne connaît. Juste parce qu'il y a le nom Stuart Edward, il va écrire, il va mettre un livre, il va mettre... Mais il y a des gens même qui se cachent. Hein. Oui, ils mettent des noms anglais. Ils mettent des noms anglais alors qu'ils sont africains. Alors qu'ils sont africains. Et les gens achètent. Donc voilà. Du coup, de cette anecdote, la question c'est celle de savoir, est-ce que les Africains ont confiance en la capacité des Africains à pouvoir accomplir des choses intéressantes? Tu n'en penses pas? Moi je pense que non. Non quoi? Je pense que les Africains n'ont pas, en tout cas pour ce que moi j'ai vu, je pense qu'ils n'ont pas confiance en leurs frères de produire quelque chose de vraiment bien. Mais pourquoi? Pourquoi ils n'ont pas confiance? D'abord parce que ceux qui produisent des très bonnes choses sont cachés. Bon, y a le, ils font pas de bruit en fait comme les Américains. Non, pas du tout. Américains, tu vas citer plein de personnes, ouais. Plein de références, plein de millionnaires, plein de chefs, plein de... Mais en Afrique, ils sont cachés, tu connais pas leur vie, tu sais pas comment ils ont réussi. Et en fait, ils ne laissent pas des traces, ils ne laissent pas des enseignements. Du coup, on se dit qu'il n'y en a pas. C'est vrai. Alors que, genre, par exemple, quand on m'a dit... Mais moi, je préfère aller voir à la source. Ouais. Moi, la première des choses que j'ai pensé, mais c'est cette source-là, c'est l'expérience de quelqu'un. En fait, pourquoi c'est n'est que l'expérience de quelqu'un. Nous, on n'a pas d'expérience, nous. C'est vrai. Nous aussi, on vit des choses. Et surtout que nous, on a un contexte africain. On ne peut que se comprendre entre nous. Et c'est ça, justement, qui fait la plus-value, quoi. Tout à fait. Donc, tout à fait. De dire que... En fait, je comprends pourquoi ils pensent pas cela. Parce que nous, on aime bien la facilité aussi. Je pense que tout le monde aime la facilité. Hein. Je pense que tout le monde aime la facilité. Après, moi, je oui, vas-y. En fait, moi, je pense que si, par exemple, les Africains, en fait, se doutent, en fait, genre, les business, genre... En fait, ils n'ont pas confiance parce qu'on les a mis ça depuis. Oui, avant. Je te rejoins. Parce que même pendant l'époque coloniale, en fait, déjà, nous... On est considéré comme les personnes inférieures en fait, les personnes bêtes, les personnes qui sont incapables en fait. Ouais, tu vois, on se méfie de nous en fait. Autres, oui. C'est pas moi je vais pas dire ouais que j'ai pas, si par exemple un Africain me dit ouais, j'ai pas confiance à ce business. Moi, je vais pas le reprocher parce que ça en fait on nous a mis ça dans la tête en fait. Du coup, c'est naturel en fait. Tu fais pas vrai. Express, tu mais je pense que ce problème vient aussi du fait que c'est trop facile de se dire que, ok, de toute façon, tout ce que les Africains font, c'est médiocre, c'est bizarre. Ouais. Parce que lorsque tu commences à côtoyer les Africains qui font des choses intéressantes, tout de suite ton regard vis-à-vis de ce que les Africains font change. Tout de suite. Je vais prendre un cas. Moi, avant, déjà, ceci qui est à l'origine de tout ce qu'on fait aujourd'hui, avant, je me disais que
les Africains n'écrivent pas. Ou du moins, ce qu'ils écrivent n'est pas intéressant. Mm-hmm. Mais après avoir lu le livre La Charge de ma mère, c'est là que j'ai eu le déclic. Je me suis dit, mais ce qu'on écrit est intéressant. Mm-hmm. Après avoir lu Claudel Nubisi, le jeune entrepreneur africain. Mm-hmm. Et récemment, j'ai découvert, genre, le Ahmed Barry, il a écrit le livre Le Prix de la Liberté. Mm-hmm. En termes d'air perso, c'est un livre redoutable. Moi, quand je l'ai lu, parce que je m'amuse quand même à lire un peu tous les livres qu'on édite, quand j'ai lu le livre d'Ahmed Barry, je me suis dit, mais on n'a plus besoin de lire Anthony Robbins. Ah ouais. Plus du tout. J'ai eu la même pensée quand j'ai lu Le Secret de votre esprit. Ah voilà, Olivier Gemelli. Ah ouais. Voilà. Il est tellement riche. Et en fait, il t'explique la chose d'une façon que tu ne vas jamais trouver ça ailleurs. Non. Tu auras beau regarder des vidéos. Non, tu vois. Tu peux pas trouver ça. En plus, il te contextualise les choses. Il te passe du Kejenu, du Plakali. Bref, il te contextualise. Tu te retrouves en fait. Parce que c'est... Surtout qu'il commence son livre en fait en disant que... Tu vois la mémoire que tu as regardé, genre vous repartez en Afrique, dans votre pays, dans votre maison. Ouais, grave, ah ouais, les sensations, l'air, le goût, des choses que vous avez mangées, tout ça. Tu te rends compte en fait que ta mémoire, elle a stocké énormément de choses. Il va vraiment dans les détails. Ah ouais. Et ça, je me suis dit, waouh, genre je pensais pas trouver quelque chose comme ça en fait, dans son livre. Dans son livre, ouais, grave. Non, mais c'est... Et justement, et pour que les Africains commencent à reprendre confiance en notre capacité à pouvoir faire des choses intéressantes, c'est qu'il faut qu'on apprenne même déjà à se fréquenter. C'est d'abord. Ça. Parce que quand nous sommes allés au salon de Bois Paris, quand tu vois ce que les gens de la communauté font, tu te dis, ah ouais, tu te dis, non, il y a des choses qui se passent. Et là, tu commences à te dire, il y a des choses à faire. Tu te rends compte que dans la communauté, il y a des gens qui se gardent, ils se disent, ok. Moi, je travaille avec des blancs. Hein. Ouais, ils sont fiers de le dire. Ouais. Moi, je travaille avec des blancs. Mais ça dépend aussi. Désolé de te couper. Mmh. Parce qu'il y a des Africains aussi. Ils ne sont pas vraiment sérieux dans leur travail. Oui. Ils sont, en fait, quand tu veux genre, montrer une bonne image de ton entreprise et tout, genre, il faut être genre, rigoureux. Genre, il faut être genre. Comment on dit ça? J'ai l'excellence, en fait. Oui. C'est vrai qu'on n'a pas cette culture de l'excellence là, c'est vrai. Vrai, on va pas le nier, c'est vrai. Mais à côté de ça, moi, quand on a fait Plume d'élite première édition, les gens qui sont venus filmer, mais c'était dégueulasse. Ah oui, ouais, c'est vrai. Pourtant, c'est un blanc qui était derrière la caméra. Ouais. C'était nul. Ouais. Voilà, mais quand ça va arriver comme ça, on va dire, mais si c'était un noir qui avait fait ça, on aurait dit que voilà. Ça, c'est encore eux. Et moi, j'ai toujours entendu qu'il ne faut pas travailler avec les Africains. Ouais, très souvent. Très souvent très comme souvent, quoi, ce ne sont pas des personnes à l'heure, ce ne sont pas des personnes fiables, ce ne sont pas des personnes compétentes. Mais je pense qu'il faut que nous, on travaille dessus aussi. Le truc de l'heure là aussi. Parce qu'en fait, les Africains... On a besoin d'une éducation dessus. Ouais, l'éducation dessus. En fait, franchement, il faut qu'on essaie de revoir en fait, les choses. Ouais, ça, parce que des fois, tu peux avoir même des compétences et tout... de tout, mais si tu arrives pas à, je sais pas comment on dit ça, à être ponctuel, et tout, ça peut tout gâcher. Il y a des petits soft-kills que si tu n'as pas, ça peut tout gâcher. Mais on va pas jeter le bébé à l'eau avec l'eau du bain. Non. C'est clair qu'on a du travail, on a un travail à faire, mais de là carrément se dire que ouais, on n'a pas confiance. Qu'est-ce que tu te rends compte que il vient, il trouve des livres qui parlent des Africains et il te dit que il va aller chercher à la source. Donc les Africains n'ont pas d'expérience. Parce qu'en soi, un livre, c'est quoi? Un livre, c'est la production de l'expérience de quelqu'un sur écrit. Parce que des fois, tu vas lire un livre, c'est vrai, il va partager son expérience. Ce n'est pas dit que tout ce que tu vas appliquer dans un livre va marcher chez toi. Il partage son expérience. Maintenant, tu vas piocher 2-3 idées. Ça va te permettre toi aussi d'avancer. Mais c'est clair que si tu appliques point par point ce qu'il a dit, non, c'est pas sûr que tu vas réussir. Les Américains, ils écrivent, bon là, ouais, quand c'est un Américain, tout de suite, on se dit, ok, parfait. C'est l'image de l'Amérique, toujours, voilà, qui est vendue. Toujours. D'abord. Ouais, parce que, bon, c'est vrai qu'on aussi, on doit aussi apprendre à se vendre quand même. Oui. Parce que c'est un peu délicat. Ouais. Mais... Comme on a dit tout à l'heure, je pense qu'il faut déjà qu'on travaille sur nous déjà. Oui, mais... Déjà, c'est important. Mais surtout, il faut qu'on apprenne à... Déjà, quand on recommence à se faire confiance. Qu'on apprenne à fréquenter les milieux de l'excellence afro. Aussi. Moi, quand je suis allé, l'année dernière, je suis allé à Business Africa. Non, Business Africa. Mais ce jour-là, quand je suis arrivé, j'ai vu comment les Africains de la diaspora pensent. C'était énorme.
Je me suis dit, waouh, quand tu voyais les stands qu'il y avait, mm-hmm. comment les produits étaient raffinés, c'était classe, c'était propre, c'était mm-hmm. beau. Mm-hmm. Je me suis dit, mais oui, il y a une communauté afro qui fait de belles choses, mais ce n'est pas mis en avant. Mais pour peu qu'il y aura un petit scandale là, allez tout de suite, ça va se prendre comme une traînée de poudre. C'est ça. Et malheureusement, nous aussi, nous sommes très souvent les premiers à relayer. Il y a une vidéo que je vois très souvent. C'est une vidéo dans laquelle tu vois les Chinoises, les Asiatiques, mm-hmm. les femmes asiatiques qui défilent. Alors, on voit tout est bien rangé, carré et tout. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Non. Et tout de suite après cette vidéo qui dure peut-être 5-10 secondes, on montre des femmes, peut-être en Afrique, qui sont en train de défiler. Elles marchent vraiment. Mais sauf qu'ils ont capturé la partie où ces femmes étaient au repos. Ouais. C'est cette partie-là qu'on a décidé de diffuser. Et par contre, là où les Chinois sont, les Asiatiques sont en train de défiler bien en rang, cette partie-là qu'on a décidé de mettre en contraste, comme pour dire que les Asiatiques c'est bien, mais chez nous c'est toujours un peu bizarre. Ouais, tu vois. Bizarre. Donc voilà pourquoi je pense que le combat qu'on mène par rapport aux auteurs africains, c'est un combat noble. Et c'est pas un hasard si on a pris le Hilton quand même pour la prochaine édition du Week-end de l'écrivain. Et surtout que nous-mêmes, dans notre expérience dans Argent Livre, 90% de ceux avec qui on a travaillé sont des personnes. Vraiment, je sais pas comment dire, tu vas avoir beaucoup de mal à trouver des personnes aussi droites. Ouais, les profils sont vraiment intéressants. Ouais. Qui ont envie d'aller loin, qui ont envie de s'impliquer, tu vois, des personnes qui travaillent quoi. Ouais. Les profils sont très intéressants, hyper intéressants. C'est pour ça que je dis, c'est parce que peut-être que les gens ont été habitués à fréquenter c'était un milieu où il y a beaucoup de médiocrité, c'est beaucoup de laisser aller. Ils se disent que c'est tous les Africains qui sont comme ça, ouais. pas du tout. Mais c'est justement pour ça que les Africains doivent de plus en plus vulgariser ce qu'ils font. Ouais, on doit aussi vulgariser. Ouais. Et tout à l'heure, oui, vas-y. Et pour vulgariser ça aussi, moi je me dis que nous on ne se soutient pas entre nous. Bon, moi je pense... Des fois on a du mal à se soutenir en fait. Moi je pense que... Tu n'as pas à demander à quelqu'un de te soutenir. Voilà. C'est à toi de montrer que... Il faut qu'on te Genre que tu mérites d'être soutenu. Oui, je sais. En fait, quand je te dis soutenir, par exemple, si moi je... En prélude au vaste programme d'écriture baptisé Plume d'élite, dont l'objectif est de mettre la lumière massivement sur les auteurs africains, la maison d'édition Argent Livre, basée en France, dont le leitmotiv « Être écrit pour impacter », organise la deuxième édition d'un événement inédit. Intitulé « Le week-end de l'écrivain tour dans trois pays ». France, le samedi 29 juillet 2023, à l'hôtel Hilton de Paris. Burkina Faso, 12 et 13 août 2023 au complexe Yamputin à Ouagadougou. Cameroun, du 19 au 20 août 2023 à l'hôtel Franco de Lancac à Yaoundé. Au programme, conférences dédicaces, partage d'expériences. Apéritifs dînatoires, défilés de mode, networking, spectacles, stands d'exposition et jeux concours avec plus de 3000 euros de lots à gagner. Infos et réservations sur le site internet argentlivre.com anglais événements. Contact +33 784 75 79 81 ou +33 624 58 90 74. Le week-end de l'écrivain tour, un événement organisé avec le soutien de tous nos partenaires. Les éditions Argent Livre, nous vous aidons à écrire et à vendre votre expérience.